Salut à tous et à toutes, et bienvenue sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint ces derniers temps, ça me fait extrêmement plaisir et ça soutient énormément la chaîne, vous pouvez pas savoir à quel point. J'espère que vous me continuerez à me suivre dans toutes mes aventures parce que je pense que vous êtes pas au bout de vos surprises. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo qui va traiter de la lingerie. La première chose que j'ai à vous dire avant de démarrer cette vidéo, parce que comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de comment ça se passe de le travail dans la lingerie. Il faut savoir que moi j'ai démissionné il y a déjà une semaine. Mais je tenais quand même à vous expliquer comment ça se passe un petit peu dans une boutique de lingerie et quel a été finalement me ressenti pendant ces plus d'un an. Parce que j'ai pas fait un an complet, j'ai fait un peu plus d'un an. Donc la première partie que je vais vous parler, c'est l'embauche. Je, je pense qu'il y en a d'entre vous qui se sont peut-être intéressés par la lingerie suite à ma dernière vidéo, si ce n'est pas déjà fait, tu peux aller la voir, c'est la première vidéo sur la lingerie, elle est très importante pour pouvoir suivre les autres vidéos, et elle est extrêmement importante à partager également, donc n'hésitez pas à aller la check, elle est dans le petit i, et elle sera également à la fin de la vidéo. Donc si par exemple ça t'aimerais bien travailler dans la lingerie, et eh ben je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je tenais à dire aussi que même si oui, euh, je suis partie, j'ai eu une expérience juste inoubliable et je voulais vraiment vraiment remercier toutes mes collègues parce que c'est elles m'ont fait grandir aussi, j'ai appris tellement de choses. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus, j'ai beaucoup plus confiance en moi depuis cette expérience qu'avant. Je me souviens de quand j'étais avant, quand je suis arrivée, à maintenant, il y a une différence énormissime. Donc, euh, je tenais vraiment énormément à les remercier et je leur souhaite tout le bonheur pour la suite de leur vie, quoi, parce que je pense qu on se recroisera, mais euh, pas autant qu'avant, quoi. Donc, pour se faire embaucher, t'as pas vraiment besoin d'avoir un diplôme, forcément d'expérience. Après, tout dépend de là où tu vas, de comment est la manager sur. Place, mais en règle générale, si tu es motivé, bien apprêté et que tu as vu ma vidéo sur la lingerie, donc du coup que tu as un premier abord sur la lingerie, et eh ben forcément, tu auras plus de chances que n'importe qui. Si tu es issu d'un BTS MCO ou d'un bac pro vente, ça va t'aider parce qu'il faut pas oublier que tu postules pour conseiller en lingerie, tu restes un vendeur. Donc il faut vraiment se mettre dans la tête que ben voilà, oui, tu vas avoir du conseil, oui, tu vas aider des gens, mais tu vas aussi vendre. Et euh, vendre, bah c'est pas pour moi, c'est pas une partie de plaisir, on va dire. Euh, mais c'est nécessaire. La deuxième phase, tu es accepté Félicitations Et eh bien dans ces cas-là, comment ça se passe euh, Normalement tu reçois une formation, je dis normalement parce que ça varie de boutique à boutique. En tout cas moi j'ai reçu une formation, euh, donc euh, c'est à peu près ce que je vous ai donné dans la première vidéo, avec plus de choses. Vous accédez pas vraiment à l'espace cabine parce que vous avez pas d'expérience en fait. Vous allez vite le voir si vous êtes dans une entreprise qui s'en branle un petit peu de à qui vous vendez le soutien-gorge. Parce que on va vous mettre en cabine sans que vous ayez de l'expérience la connaissance du produit il faut de l'expérience pour faire de la cabine parce que tu conseilles des femmes tu rentres dans leur intimité et voilà il faut pas que tu te trompes je veux dire t'imagines tu vends quelque chose de mauvais à la fin la dame elle va être déçue moi ça c'est le pire truc c'est la chose que je veux jamais avoir c'est qu'une personne soit déçue c'est tu prends de ton temps la personne prend aussi de son temps t'es là pour la conseiller donc voilà l'espace cabine tu le fais un peu plus tard et plus en surface à renseigner les personnes à toi-même te renseigner parce que finalement tu vas apprendre sur le tas. Et après, avec le temps, tu vas avoir plus de responsabilités si évidemment ta manager te le permet. Euh, et puis après, bah voilà, tu, tu bosses à plein temps quoi. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé, mais je vais vous parler un petit peu plus de mon ressenti. Euh, voilà, on va parler un peu plus de détails quoi. Pour moi, ça s'est hyper bien passé, comme je disais au début de la vidéo. En fait, le truc qui est génial, c'est que tu passes un moment intime avec ta cliente. J'adore les écouter parler, euh, j'adore qu'elles me racontent leur histoire, j'adore parce que mine de rien, une poitrine, elle, quand je vous dis qu'elles sont toutes différentes, c'est juste, elles n'ont pas le même vécu. Tu peux avoir deux sœurs complètement différentes. Et ouais, tu, tu partages un moment avec la personne. C'est un métier qui est assez humain. Et c'est pour ça que j'ai énormément aimé travailler dans la lingerie. Et la manière dont ma patronne me l'avait parlé, c'était ça dans le conseil et c'est en même temps extrêmement technique parce qu'il faut que tu aies une connaissance et une expertise sur le produit et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement bien après bon bah voilà le bémol c'était la vente parce que tu as des objectifs etc l'ambiance entreprise qui est normale voilà on est dans une boutique euh, en plus dans un centre commercial je veux dire par là que bon bah euh, c'est la vie! J'ai vécu des moments avec des clientes inoubliables, des personnes assez neutres, je pense que ça s'est remarqué que je suis assez neutre. Du coup, euh, je pense que j'ai jamais voulu juger une personne. Euh, J'appréciais pas tellement d'ailleurs quand on jugeait vraiment des gens. Il euh, y en a, ok, oui, il y a des gens, franchement, je suis désolée, mais hey guys, <laughs> faites attention quoi. Enfin, je veux dire, les vendeurs, c'est quand même des humains. Je veux dire, tu regardes le client qui est en face de toi, il y a des gens, bon, bah, bref. On parlera des anecdotes dans, un, dans une autre vidéo. Je vous raconterai un petit peu comment ça se passe réellement. Mais. Euh, et, et ouais, en fait, finalement, ce métier est très humain. Tu conseilles, tu aides. Mais le plus frustrant, en fait, c'est les grandes enseignes. Euh, les autres enseignes, les, les concurrents, entre guillemets. Mais oui, c'est compliqué parce qu'ils ne savent pas vendre. Enfin correctement Ils n'ont pas d'expertise. Euh, ils se plantent et ils vendent de la lingerie comme on le faisait il y a, a 30-40 ans, en fait. Euh, non, ça a changé. Euh, il faut suivre le marché, en fait. Euh, et c'est même pas que le marché, il faut suivre la femme. Anyway, les grandes enseignes, moi, je suis pas très fan. Euh, souvent, c'est pour moi, j'appelle ça de la publicité mensongère. Parce que très clairement, ils vous vendent un produit qui ne vous ira pas. <laughs> et très clairement qu'ils le mettent pas du tout bien en avant. Euh, et c'est extrêmement frustrant pour moi. Donc du coup... Voilà, comme je disais, euh, en termes de frustration, on est là-haut, quoi. Voilà, c'est le summum. Et donc, du coup, j'ai déclenché des petits défauts, on va dire. Je les considère comme des défauts aujourd'hui, parce que franchement, si j'aurais pu les éviter, ça aurait été bien. Mais c'est juste que, ouais, ça me frustre quand on porte pas de la bonne taille, en fait. Genre, euh, quand, quand ça appuie comme ça, que du coup, ton sein, il est comme ça. Oh my god Non, mais il faut que je leur apprenne. Et là, dans ma tête, je suis en mode, non, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas... Et après, elles vont se plaindre. Non non non, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien parce que putain, voilà 80% du temps, elle ne porte pas le bon soutien-gorge. 80. Oh my, je dis 80, ça devrait être même plus. Franchement, le pire du pire du pire. La plage. Oh my God, non mais les filles, girls, wake up! Ton sein, il sort littéralement. Après, tu t'étonnes que quand tu plonges dans la piscine, le soutien-gorge il s'en va. Mais mais non Mais c'est normal, tu portes pas la bonne taille. <laughs> je veux dire, à un moment donné, faut faut, faut réfléchir en fait. Et, et moi, j'ai toujours réfléchi. Je comprenais pas pourquoi mes soutiens-gorge s'en allaient. Et ça et ça me frustrait, ça me faisait chier. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Mais c'est pour ça que je fais ces vidéos. Partagez-les en masse. Hein, à un moment donné, euh, faut que ça se sache. Merde hein. Je vous exprime toute ma frustration. Euh, que tu le savais pas. Tu le savais pas. Bah oui, t'as pas regardé ma vidéo. Bah... Ah, bah... D'un moment. Au bout d'un moment, tu sais ce qu'il serait à faire C'est regarder la vidéo. Voilà, voilà. <laughs> Donc si vous voyez une personne qui porte pas le bon soutien-gorge, que vous le voyez, parce que bah, très clairement, je crois que ma définition était parfaite, hein, que le sein sort complètement sur le côté, que ça coupe littéralement, que tu, tu vois en fait le soutien-gorge, finalement c'est qu'elle a pas le bon. <laughs> Donc euh, n'hésitez pas à lui dire, écoute, tu devrais peut-être euh, augmenter taille. Hein oh oui, mais non, mais il n'y a pas de honte. mais Ça c'est un autre sujet. On va en parler psychologiquement de la lingerie. Je pense que ça, ça pourrait être très intéressant. Anyway <laughs> Je me suis suffisamment excitée. Je vais galérer à faire le montage. Ou Aussi, je m'énerve devant les pubs. Oh my god. Je pense que vous l'avez vu sur Instagram. Je m'énerve devant les pubs. Euh, parce que je suis désolée, mais là c'est pareil. Mais attendez, je vous en mets. Non, mais... Mais, mais là, c'est même pas les gueules. C'est entreprise. Entreprise. Qu'est-ce que tu fais, bordel de merde Tu promouvois une nana qui fait au moins... Euh, c'est pas, pas possible, non mais c'est pas possible techniquement, c'est pas possible. Elle rentre pas dedans, là tu le vois qu'elle rentre pas dedans. C'est comme si tu donnais une personne qui fait un 45, tu lui donnes un 40. Et bah ça rentre pas dedans, et bah là c'est pareil. Merde j'enlève les pubs parce que le problème c'est que je travaille dans la lingerie donc du coup évidemment je regardais la lingerie et tout sur internet du coup maintenant j'ai masse pub de la lingerie mais j'en ai un peu plus de la pub je n'en peux plus parce que à chaque fois 90% du temps les soutiens-gorges ne sont pas à la bonne taille même dans mon enseigne c'était pareil encore ils font des efforts mais dans mon enseigne aussi il y avait des moments c'était pas pas très net tu vois c'était un... il y avait un petit souci d'armature mais franchement je vous jure porter le bon soutien-gorge c'est super important pour votre santé et, et... et... Même pour tout, vous allez, ça va vous changer la vie de porter le bon soutien-gorge, je vous le dis. C'est pas grave, vous faites ce que vous voulez. J'aurais suffisamment gueulé. <laughs> Et évidemment, un syndrome aussi, voilà, comme vous avez compris pourquoi j'ai beaucoup de pubs, c'est que j'adore la lingerie. J'adore, j'adore. Et j'aimerais en avoir plein. Déjà de un, bah, ça a son prix, donc pour l'instant, je ne peux pas trop m'en procurer. De deux, j'ai pas la chance d'avoir une poitrine qui. Voilà. Une prêtre, une poitrine qui peut tout porter. Bien au contraire, je galère énormément. Alors que pourtant, je fais un, 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 un petit dé, quoi. Un petit dé, euh, c'est très très commun. Euh, je trouve partout. Mais c'est juste que les formes, quoi. Guys, euh, putain, mais, mais. Pareil, les entreprises oh, Au bout d'un moment, faites des trucs où tout le monde peut rentrer dedans Bref, du coup, bah voilà, je, je ne trouve pas soutif à mon sein. Ok, c'est drôle. Et un autre et dernier truc que j'adore faire, c'est là pas de frustration, c'est de déterminer à l'œil nu la taille de poitrine. Voilà, j'adore ça. Quand on était mes dernières semaines de travail, justement à cause du Covid, on ne pouvait plus mesurer le tour avec le fil. Du coup, tu fais à l'œil. Les bonnets, ça a toujours été à l'œil. Donc,